Je me suis inquiété toute ma vie des problèmes qui ne sont jamais arrivés. Bonjour. Je m'appelle Samuel Langorne Clemens, mais vous me connaissez peut-être sous mon pseudonyme, Mark Twain. Je suis né le 30 novembre 1835 en Floride, Missouri. Ma famille a déménagé à Hannibal, Missouri, quand j'avais 4 ans, et j'ai grandi là-bas sur les rives du Mississippi. J'adorais regarder passer les bateaux fluviaux et je rêvais de devenir pilote un jour. Quand j'avais 11 ans, mon père est mort et j'ai dû quitter l'école pour aider à subvenir aux besoins de ma famille. J'ai trouvé un emploi d'apprenti imprimeur et j'ai finalement gravi les échelons pour devenir journaliste. J'ai voyagé dans tout le pays en tant que journaliste et j'ai écrit sur mes expériences avec humour. En 1865, j'ai publié mon premier livre, The Celebrated Jumping Frog of Calabria County. Le livre a été un succès, et il a fait de moi un écrivain célèbre. J'ai continué à écrire de nombreux autres livres, dont Les Aventures de Tom Sawyer, 1876, Les Aventures de Huckleberry Finn, 1884 et La Vie sur le Mississippi, 1883. Mes livres sont connus pour leur humour et leur portrait réaliste de la vie américaine. Ils ont été traduits dans de nombreuses langues et ont été appréciés par les lecteurs du monde entier. Je suis fier de mon travail et j'espère qu'il continuera à divertir et à éclairer les gens pendant de nombreuses années à venir. Mark Twain était un grand écrivain américain qui a eu un impact profond sur le monde. Ses livres sont encore lus et appréciés par les gens partout dans le monde aujourd'hui. C'était un vrai humoriste et un maître de la narration. Son travail continuera d'être chéri pour les générations à venir. Cordialement. Abonne-toi pour apprendre plus chaque jour.